les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir leur Peter et l'inconnu de Dorothée Sayers dans une adaptation radiophonique de François Billet-Doux. Avec, par ordre d'entrée en onde, Henri Guizol, Jacques Castelot, Madeleine Lambert, Hieronymus, Jean-Jacques Stine, Jean-Pierre Lituac, Jean Bollo, Jean-Marie Amato, André Vasselet et Anne-Marie Duvernay. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage. Prise de son Noël Barbet. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Dorothée Sayers, qui vient de mourir à l'âge de 64 ans, était considérée en Angleterre non seulement comme un auteur célèbre de romans policiers, mais comme un très grand écrivain. Rivale heureuse d'Agatha Christie, elle avait, elle aussi, créé son type de détective qui devint promptement populaire, Lord Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey incarna au cours de nombreux romans la nonchalante élégance de l'aristocratie britannique et les dons de logique et de déduction ainsi que l'art de mener une enquête qui caractérise le talent de l'auteur. Nous donnons, en hommage à la mémoire de Dorothée Sayers, Lord Peter et l'inconnu. Il m'a été demandé de dire comment l'aristocratique limier, Lord Peter Wimsey, mon maître, procédait dans ses enquêtes. Je dois dire d'abord que sa seigneurie et moi nous fîmes connaissance durant la guerre. Il m'appelait alors... Sergent ! Je répondais... Yes, sir. La guerre terminée, il m'appela... Butler. Car tel était mon patronyme. Et devenu son valet de chambre, je répondis souvent... Yes, my lord. À ses ordres, naturellement, et à ses caprices, volontiers. Nous nous appliquâmes ensemble à reprendre pied dans la vie. Riche, il lui était loisible d'agir à sa guise. L'essentiel était qu'il fît quelque chose. Après bien d'autres frivolités, il porta intérêt, en amateur, à diverses affaires criminelles de qualité. Je dois dire maintenant que je ne saurais analyser correctement le comportement de Lord Peter au cours de ses enquêtes. Je crois seulement pouvoir me permettre de faire le récit d'une de ses toutes premières affaires, caractéristique de ses façons. Ainsi, le matin où l'affaire éclata, un mardi matin, il me demande comme de coutume... Que dois-je lire ce matin, Bunter ? La collection de Lord Harris va être vendue, my lord. Le Morning Post lui consacre une colonne. Je pense que votre seigneurie devrait également jeter un coup d'œil sur cette critique du dernier ouvrage de Sir Julian Freke intitulé « Les bases physiologiques de la conscience » dans le supplément littéraire du Times. Ensuite, il y a un petit cambriolage très original dans la chronique et une attaque contre les familles titrée dans le Herald, assez mal écrite. My lord, oui, s'il m'est permis d'émettre une opinion. Mais non dénué d'un humour inconscient que votre seigneurie appréciera. Bon, donnez-moi cela ainsi que le cambriolage. J'ai parcouru les autres journaux et j'ai marqué les lectures de votre seigneurie après le déjeuner. Oh non, de grâce, ne m'en parlez pas, vous me coupez l'appétit. Votre cambriolage ne m'emballe guère, Bunter. Du savoir-faire, certes, mais pas d'imagination. Alors, nom du diable si je consens à lire la critique du livre de Freke. Mais vous pouvez, si vous voulez, inscrire l'ouvrage sur la liste d'achat de notre bibliothèque. Son bouquin sur la criminalité était assez amusant dans son genre, mais enfin, ce type est dingo. Il démontre que l'idée du divin est une sécrétion du foie. Oui, c'est drôle une fois en passant, mais il ne devrait pas s'obstiner. Il n'est rien qu'on ne puisse prouver pourvu qu'on ait des vues suffisamment bornées. Ce n'est qu'en début d'après-midi que l'affaire se déclencha sur un appel téléphonique de sa grâce. Allô ? Allô ? Allô, c'est vous, ma mère ? Oh, vous voilà, darling ! Que se passe-t-il ? Une chose bizarre. J'ai jugé bon de vous avertir.
Tips ? Oui. Ah, oui, oui, le minuscule architecte qui répare le toit de votre église à Denver. Oui. Oui. Que lui est-il arrivé ? Mr. Tips a téléphoné ce matin. C'était le jour où on l'attendait ici, vous savez. Il a prévenu qu'il avait un empêchement. Il était bouleversé, pauvre petit bonhomme. On a trouvé un cadavre dans sa baignoire. Excusez-moi, mais je n'entends pas très bien. Il a trouvé quoi ? Où ? Un cadavre, darling, dans sa baignoire. Ah oui, oui, oui. Quelle espèce de cadavre ? Un homme, darling, qui n'avait pour tout vêtement que son lorgnon. Était-ce quelqu'un qu'il connaissait ? Non, je ne crois pas, mais c'est un petit homme respectable. Il était concerné d'une descente de justice chez lui, et le reste... Voyons, il habite bête aussi, n'est-ce pas ? Oui, darling. En face du parc, le grand pâté de maison, juste au tournant. Tout de suite après l'hôpital Saint-Luc. À quelle heure est-ce arrivé, ma mère ? Je crois qu'il a fait sa découverte aujourd'hui de bon matin. Mais naturellement, il n'a pas songé à prévenir tout de suite. Mais merci mille fois de m'avoir mise au courant. Oui, j'ai envie de pousser jusqu'à Battersea pour tâcher de consoler ce pauvre petit Tips. À tantôt. Au revoir, darling. Butter. Highland. Sa grâce m'annonce qu'un respectable architecte de Battersea a découvert un cadavre dans sa baignoire. Vraiment, my lord ? Voilà une bonne aubaine. Excellente, Bunter. Je conseillais aussitôt à sa seigneurie de ne pas se rendre chez Mr. Tip en redingote et haute forme. Quand Lord Peter se fut changé, il glissa un monocle formant un loupe dans la poche de son veston, prit une belle canne à lourdes pommes d'argent et ajouta à son équipement une boîte d'allumettes plates en argent qui contenait une petite lampe électrique. Puis nous nous transportâmes chez Mr. Alfred Tips. J'étais vraiment un tout petit homme nerveux. Mon maître et lui bavardèrent. J'espère que votre femme de chambre est une fille de tête. C'est une calamité d'avoir des femmes qui se pâment ou qui emplissent la maison de cris. Oh, Gladys est une brave fille, très raisonnable, malade. Bon. Naturellement, l'aventure lui appartient un coup, mais c'est une fille énergique, très utile dans les moments de crise, vous comprenez. J'estime que c'est une vraie chance pour ma mère et pour moi d'avoir à notre service une brave fille bien convenable. Elle a été consternée d'avoir laissé ouverte la fenêtre de la salle de bain. J'ai commencé par me fâcher, étant donné les résultats de son étourderie, mais au fond, le délit n'eût pas été bien grave en temps ordinaire. Les jeunes filles sont distraites, vous savez, my lord. Et je me suis borné à lui dire, cette fois-ci c'était un cadavre et c'est déjà assez désagréable. Mais la prochaine fois, ce sera peut-être un voleur et nous serons tous assassinés dans notre lit. Mais l'inspecteur de police, il s'appelle Sugg de Scotland Yard. Il a été très dur pour la malheureuse. Il l'a épouvantée en lui donnant à entendre qu'il la soupçonne de quelque chose. Et pourtant, je me demandais un peu à quoi un cadavre pourrait bien lui servir à la pauvre fille. Oui, il est évident que ni vous ni ces jeunes filles, vous n'auriez l'idée de collectionner des cadavres. Oh, oh. La difficulté consiste généralement à s'en défaire. À propos, êtes-vous débarrassé du vôtre ? Et il est toujours dans la salle de bain. Ah. L'inspecteur Sugg a recommandé qu'on ne touche à rien jusqu'à ce que ces hommes viennent l'emporter. Et si ça intéresse votre seigneurie de jeter un coup d'œil... Oui, volontiers, j'en serais charmé, si je ne vous dérange pas. Oh, du tout, du tout. La salle de bain, longue et étroite, n'offrait rien de particulier. À la tête de la baignoire, il y avait une fenêtre aux vitres dépolies assez large pour livrer passage à un homme. L'appartement a été situé au dernier étage de l'immeuble. La croisée donnait sur des cours. Au-delà s'étendaient des jardins. À droite s'élevait l'hôpital Saint-Luc, vaste bâtisse toute neuve, reliée par une galerie couverte à la demeure de l'illustre professeur Sir Julien Frick, directeur du service chirurgical de l'hôpital, lequel était en outre célèbre pour sa science de neurologue et ses opinions extrêmement personnelles. Il est venu ce matin. L'inspecteur Sugg s'est avisé qu'un jeune carabin de l'hôpital pouvait nous avoir gratifié de ce mort. Une farce, comme qui dirait. Car ils en ont toujours des tas dans leur salle de dissection. L'inspecteur Sugg a donc été trouver Sir Julien ce matin pour lui demander s'il lui manquait un sujet. Oh, il a été bien aimable, Sir Julien, bien aimable, vraiment, quoique surpris au beau milieu de son cours d'anatomie. Il a consulté les registres pour s'assurer qu'aucun corps n'avait disparu, puis il a eu l'obligeance de venir voir ceci. Lord Peter rejeta en arrière le drap qui recouvrait la baignoire. Devant lui gisait un homme grand et gros, d'une cinquantaine d'années, uniquement vêtu d'un lorgnon d'or. Ses cheveux noirs, épais, naturellement frisés,
taillé et disposé de main de maître, exhalait un vague parfum de violette. Il avait la peau bistrée, les traits épais, charnus, très marqués, des yeux noirs proéminents et un long nez recourbé, un menton lourd. Ses lèvres rasées étaient pleines et sensuelles. Les dents étaient jaunies par l'usage excessif du tabac. Les mains avaient reçu des soins de manucure. Sa seigneurie se démenait d'une façon excessive, selon son habitude, autour de ce personnage. Veuillez m'excuser, je sens que je vais me trouver mal. Vraiment, je le sens. Puis, nous regagnâmes notre demeure pour le dîner. Lord Peter s'était retiré dans ses bibliothèques depuis un moment, lorsque... Bunter, je n'y suis pour personne, hein, sauf pour les visiteurs intéressants. Bien, Mylord. C'était Sir Charles Parker de Scotland Yard, un garçon tranquille, sensé et bien élevé, qui était un bon ami pour sa seigneurie. Ravi de vous voir, mon cher. Ah, fichu brouillard, hein. Bunter, rapportez-nous votre admirable café et les cigares. Bien, Mylord. Parker, j'espère que vous arrivez tout truffé de crimes. Nous, nous avons un macabé dans un bain. Nous allons le partager, voulez-vous? Je savais que vous aviez poussé une pointe du côté de Battersea. Moi de même. Je suis tombé sur Sugg. Il était furieux de votre ingérence non autorisée. J'ai jamais fait mettre ce cher Sugg en colère. Je viens de lire dans le Star qu'il s'est surpassé en arrêtant cette jeune fille Gladys. Gladys, je ne sais plus quoi. Admirable Sugg. Mais vous, que cherchiez-vous là-bas? Au vrai, j'étais allé voir si l'inconnu au type sémite trouvé dans la baignoire de Mr. Tips n'était point, par une chance extraordinaire, Sir Robin Levy. Mais ce n'était pas lui. Sir Robin Levy? Attendez, j'ai vu quelque chose à ce propos. Ah, bah oui, j'y suis, une manchette de journal. Mystérieuse disparition d'un célèbre financier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, c'est un de ces faits divers très simples qui n'offrent pas de prise à l'enquêteur. Ah oui? Sir Robin Levy a dîné hier soir au Ritz avec trois amis. Après le repas, ceux-ci sont allés au théâtre où Sir Robin a refusé de les accompagner sous prétexte qu'il avait un rendez-vous. Je n'ai pu établir avec qui, ni en quel lieu. Toujours est-il que Sir Robin a regagné son domicile de Park Lane à minuit. Et quelqu'un l'a vu? La cuisinière qui montait se coucher l'a aperçu sur le seuil de la porte et l'a entendu ouvrir avec sa clé. Il a gagné sa chambre après avoir laissé son manteau dans le vestibule, et son parapluie aussi. Il s'est déshabillé et s'est mis au lit. Le lendemain, plus personne. Voilà tout. Ah, voilà tout, voilà tout. Ah non, ce n'est pas tout, ce n'est même pas la moitié d'une histoire. Mais si. Quand son valet de chambre est venu le réveiller, il n'y était plus. Le lit était défait, on a trouvé le pyjama et les vêtements. Alors, le curieux, c'est qu'ils avaient été jetés en désordre sur le fauteuil au pied du lit, alors que Sir Robin avait l'habitude de les plier soigneusement sur une chaise. C'est curieux, ça. Ah, il semble donc qu'il ait été agité, mal à l'aise. Ouais. Dans la garde-robe, rien ne manquait, ni costume, ni chaussures. Il avait fait ses ablutions et s'était lavé les dents comme chaque soir. L'on est obligé d'admettre qu'un respectable financier d'âge mûr, devenu fou entre minuit et 6 heures du matin, est tranquillement sorti de chez lui par une nuit de novembre dans le costume qu'il portait en naissant. Ou qu'il s'est volatilisé, ne laissant derrière lui qu'un amas de vêtements fripés. Bunter. Bunter, quelle est votre impression? Ça n'est pas mon rayon, Mylord. Sauf que je trouve étrange qu'un gentleman trop agité ou trop souffrant pour plier ses vêtements, selon son habitude, ait songé à se brosser les dents. Comme Lady Levy et sa famille sont à l'étranger, personne n'aurait songé si vite à s'étonner de la disparition de Sir Robin, s'il n'avait dû assister aujourd'hui même à une très importante assemblée financière pour une affaire de plusieurs millions. Mais je sais qu'il avait des ennemis qui auraient bien voulu l'empêcher de conclure cette opération. Aussi, dès que j'ai entendu parler de l'inconnu dans une baignoire, je suis arrivé en vitesse. Le comique, c'est que Sugg s'est mis en tête que c'est bien lui. Et il a envoyé des dépêches éperdues à Lady Levy, l'invitant à venir identifier son mari. Mais l'homme au bain n'est pas Sir Robin. Phénomène bizarre, il lui aurait ressemblé. Oui, s'il avait eu de la barbe. Mais à mon avis, Parker, il avait de la barbe. Il avait de la barbe. Ah. Et ce n'est pas la seule étrangeté dans l'apparence de ce bonhomme qui m'est frappé. Tenez par exemple. Voilà un individu qui porte un coûteux lorgnon d'or. Et en revanche, ses dents sont non seulement décolorées, mais en très mauvais état.
comme s'il les avait brossés de sa vie. Or, nous l'avons constaté, c'est un homme soigneux de sa personne. Ainsi qu'en témoignent ses cheveux et ses mains. Et que vous en semblez ? Oh, vous savez, ces hommes sortis du peuple et qui se sont fait tout seuls ne s'occupent guère de leurs dents. Ils ont la terreur du dentiste. Ouais, j'admets cet argument. Second point. Ce monsieur aux cheveux parfumés à la violette de Parme et aux ongles manucurés ne se lavait jamais les oreilles. Oh, c'est dégoûtant. Je ne l'avais pas remarqué. Mais voyez-vous, il est difficile de se défaire de mauvaises habitudes anciennes. Admettons. Troisième point. Le monsieur manucuré et oint de brillantine, etc., avait des puces. Fichtre. Mais... Ah oui. Oui, bien sûr. Hein? Oui, mais toutefois, ce sont là des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Oui. Enfin, par hasard. Oui, ce sont là des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, mais alors chacune isolément. Quatrième point. Le monsieur qui se calamistre à la violette de Parme fait usage d'un savon fortement féniqué. De l'acide phénique pour se débarrasser des puces. Je dois dire à votre honneur, Parker, que vous avez réponse à tout. Cinquième point. Ce monsieur bien bichonné a les ongles des pieds malpropres et trop longs. Oui, mais on va conformément aux anciennes habitudes susmentionnées. Oui, je sais, mais enfin tout de même. Enfin, sixième et dernier point, ce monsieur aux élégances intermittentes arrive pendant une nuit de pluie torrentielle, s'introduit apparemment par la fenêtre, alors qu'il est mort depuis 24 heures, et il s'étend avec calme dans la baignoire de Mr. Tips, vêtu de son seul lorgnon, en dépit des rigueurs de la saison. Pas un cheveu de sa tête n'est en désordre. Et même, il a l'air de sortir des mains du coiffeur, car quelques petits cheveux coupés adhèrent encore à son cou et aux parois de la baignoire. Il est d'ailleurs rasé de frais, à telle ancienne qu'il porte sur la joue des traces de savon séché. Oui, monsieur. Minute. Et du savon séché dans la bouche. Du savon dans la... Non, mais c'est absurde. C'est sans doute une décoloration de la peau. Non, il avait aussi des poils. Hein? Tenez, en voici deux. Il avait dû porter la barbe. Prétendez-vous, Winsey, qu'il y ait au monde un homme qui se couperait la barbe en tenant la bouche grande ouverte et qui ira ensuite se faire assassiner avec des poils pleins de gosier? Je ne prétends rien de pareil. Il a été rasé après le meurtre. Non, non, écoutez, asseyez-vous, mon ami, ne tournez pas en rond comme un idiot. On a vu des choses plus affreuses. Cependant, Parker, croyez-moi, nous avons affaire à un criminel. Ce qui se fait de mieux en son genre. Un dilettante véritable, doué d'imagination. Travail soigné, artistique, irréprochable. Je sais l'apprécier, Parker. Enfin, que diable, il faut qu'il y ait un motif quelque part. Un fou. Il aurait bien de la méthode dans sa folie. Écoutez, mon vieux, ni mon type ni le vôtre n'ont laissé beaucoup d'indices derrière eux. Le vôtre non plus n'a pas l'air d'avoir agi pour des motifs bien clairs. Et dans les deux histoires de cette nuit, l'absence de vêtements des deux hommes nous laisse perplexes. Enfin, sapristi, si seulement j'avais un bon prétexte pour me charger officiellement de cette affaire de l'homme dans la baignoire. Allô? Allô? Quoi? Allô? Oh! Allô? Pardon. Non, c'est une dame âgée, Mylord. Je crois qu'elle est complètement sourde. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Mais elle demande votre seigneur, et en tout cas, ça, je l'ai compris. Alors, tenez, oui. Allô? Allô? Oui! 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 Ah bon? Bon, parfait! Oui, oui! Oui! Oui, parfait! 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 Mon chien de vache, il est sourd, hein? Épatante, pas de femme! C'est madame Tipsmer. Sourde comme un pauvre. Sourde comme. Elle n'a jamais téléphoné de sa vie. Alors, quelle décision! Napoléon en personne. L'ineffable Seug, à la suite d'une grande découverte, vient d'arrêter le petit Tips. La vieille dame est abandonnée dans son appartement. Le dernier cri de Tips a été « Prévenez Lord Peter Winsey ». La vieille femme est déchaînée. Après s'être débattue avec l'annuaire, elle réveille les téléphonistes de la centrale, refuse de considérer le mot « non » comme une réponse valable, d'autant qu'elle n'arrive pas à l'entendre, obtient la communication et me demande si je suis prêt à l'assister. Par cœur, je voudrais l'embrasser. Allons la voir. Potter. Oui, emportez votre machine infernale et le magnésium. Bien. Nous allons fonder une association, travailler simultanément aux deux affaires jumelles. Bonne mes souliers. Ma canne, ma lampe électrique. Bien. Le noir de fumée, mon couteau, tout y est?
Bon, mais voyons. Mais non, Bunton, on n'est pas été offensé, je ne pensais pas à mal. Je crois en vous, Bunton. J'ai confiance en vous. Combien ai-je d'argent sur moi? Ah bon, ça va, ça va. On est prêt? En route! Sa seigneurie, à 2 heures du matin, décida de conduire la vieille Mrs. Tipps au château de Denver, résidence de la duchesse Douairière, sa mère. C'est gentil de vous voir, Darling. Vêtue d'une charmante robe d'intérieur, elle était assise près de Lord Peter et le regardait manger du bœuf froid comme si son arrivée dans des circonstances et en une société aussi insolite était la chose la plus naturelle du monde. Avez-vous couché la vieille dame dans son lit, ma mère? Oui, Darling. Ouais. Quelle personnalité originale, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui a bien pu donner à votre ami l'inspecteur l'impression que le pauvre petit Stips assassinait quelqu'un qu'il ne connaissait même pas? Mon ami l'inspecteur est décidé à prouver que l'intrus installé dans la baignoire de Tipps est Sir Robin Levy, qui a mystérieusement disparu de sa maison la nuit passée. Suivez son raisonnement. Nous avons perdu à Park Lane un monsieur d'âge mûr et dévêtu. Nous avons trouvé à Battersea un monsieur d'âge mûr, également dévêtu. Donc les deux ne font qu'une seule personne, c'est QFD. Et là-dessus, il coffre le petit Tipps. Vous avez un langage elliptique, Darling. Pourquoi Mr. Tipps serait-il arrêté si ces deux personnages ne font qu'un? Ah, il faut bien que Sugg arrête quelqu'un, ma chère mère. Mais il y a un témoignage qui semblerait confirmer son hypothèse. La nuit dernière, vers 9h15, une jeune femme arpentait la rue de Battersea Park, dans des intentions d'elle seule connue. Quand elle vit un monsieur enveloppé d'une pelisse, coiffé d'un haut de forme, qui sautillait sous un parapluie en regardant le long des rues. Comme elle n'est pas timide, elle s'est avancée. Pourriez-vous m'apprendre, fille de mystérieux étranger, si cette rue aboutit à Wells Road? Elle lui répondit affirmativement et lui demanda, d'un ton badin, ce qu'il faisait là. Le type déclara qu'il avait un rendez-vous et s'éloigna. Elle le suivait du regard quand une amie l'a accosté en lui disant « Mais c'est Levy! Je l'ai connu du temps qu'on l'appelait l'incorruptible. » La jeune femme n'y a plus pensé, dit-elle, jusqu'à l'heure où le laitier a apporté ce matin la nouvelle du drame de Battersea. Alors, bien qu'elle n'aime pas beaucoup la police à l'ordinaire, elle est allée demander si le monsieur assassiné avait une barbe et des lunettes. Comme on lui répondait par la négative, elle s'est écriée étourdiment « Ah, c'était donc pas lui !» Le policier a demandé « Pas qui ?» Voilà son histoire. Sugg, sur la foi de ce témoignage, a inculpé Tipps. Mon Dieu! J'espère que la pauvre fille n'aura pas trop d'ennuis. Je ne pense pas. C'est Tipps qui se trouve dans le pétrin. Ah. Nous sommes en face d'un curieux petit problème. Très curieux, Darling. Mais bien triste pour le pauvre Sir Robin. Il faut que j'écrive un mot à Lady Levy. Je l'ai beaucoup connue quand elle était jeune fille. Elle s'appelait Christine Ford. Et je me rappelle le drame qu'il y a eu quand elle a voulu épouser Levy. Ceci se passait, bien entendu, avant qu'il n'ait fait fortune dans les pétroles américains. La famille voulait la marier à Julian Craig, qui, par la suite, s'est tellement distingué et qui était de leur parenté. Mais elle s'était toquée de ce monsieur Levy et elle s'est sauvée avec lui. Enfin, devant le fait accompli, on a estimé qu'il valait mieux que la jeune fille l'épouse du moment qu'elle aimait. Le jeune Frey, que j'en suis certaine, avait pour elle un sentiment profond. Ils sont d'ailleurs restés d'excellents amis. Frey ne s'est jamais marié depuis, vous savez. Et bien qu'à présent très riche et très célèbre, il vit tout seul dans cette grande maison à côté de l'hôpital. Puis, durant plusieurs jours, nous allâmes, avec notre attirail habituel, relever des indices chez Mr. Alfred Tipps, chez Sir Ruben Levy et dans leurs environs. En outre, à titre professionnel, Sir Charles Parker, de Scotland Yard, n'est-ce pas, procédait à de multiples interrogatoires surprises, soit, comme il disait, sous sa forme périssable, soit sous divers déguisements. Et presque chaque soir, nous nous retrouvions dans la bibliothèque de Lord Peter pour faire l'inventaire de notre récolte pendant les heures ouvrables. On voudra bien me permettre d'indiquer ici les plus importants parmi les détails que nous rapportâmes dans le désordre que je dirais chronologique où il se révèle l'air à nous. Et tout d'abord, ce que Sir Parker nous a pris de nouveau sur l'affaire de la baignoire. Pas grand-chose, comme il le dit lui-même. Pas grand-chose. J'ai grimpé sur le toit. J'ai cherché des traces de pas.
Mais naturellement, après nos bonnes pluies de novembre londoniens, autant chercher à relever des empreintes sur le Niagara. J'ai exploré tous les toits du voisinage pour aboutir à la conclusion que n'importe quel satané habitant de n'importe quel satané appartement de cette satanée file de maison aurait pu commettre le crime. Tous les escaliers aboutissent au toit. Pourtant, j'ai la preuve que la victime aussi a passé sur ces mêmes toits. Ces lambeaux d'étain. Oui, oui, ils ont été arrachés à un drap. L'un était près de la gouttière, juste au-dessus de la fenêtre de la salle de bain de Tips. Un autre se trouvait pris dans une fissure de la balustrade de pierre qui surplombe cette fenêtre. Et le reste vient des cheminées. Le criminel a grimpé sur les toits en traînant sa victime quand il pleuvait à torrents. Pas de traces, sauf ses brins d'étoffe. Il a installé le corps dans la baignoire, puis effacé toutes les traces de son passage. Une tache sur le plancher nous a révélé qu'il portait des semelles de caoutchouc. Et grâce à ces admirables empreintes digitales destinées par Bunter sur le rebord de la baignoire, nous constatons qu'il avait le nombre de doigts réglementaires et des gants de caoutchouc également. Par ailleurs, après la découverte d'un petit cheveu roux, voici les conclusions que sa seigneurie tira de l'étude des empreintes et traces diverses laissées dans la chambre de Sir Reuben Lewis. Ce n'était pas Sir Reuben que sa cuisinière a entrevu sur le seuil de la maison dans la nuit de lundi. Un autre homme est venu dans cette chambre, revêtu des habits de Lévi, et s'est introduit grâce à la clé de Lévi. Oh, il était malin, Parker. Il avait des gants de caoutchouc qu'il n'a pas quittés un instant. Et il a tout mis en œuvre pour nous faire croire que Lévi avait passé la nuit normalement dans sa chambre. Il est monté, s'est déshabillé, s'est lavé les dents, mais il ne s'est pas servi de la brosse à cheveux, de crainte d'y laisser les cheveux roux. Mais il en a perdu un sur l'oreiller, parce qu'il est allé jusqu'à se coucher dans le lit de Lévi. Puis, avant le matin, il se lève, remet ses vêtements personnels qu'il a apportés dans une valise, et repart comme il est venu. Après quoi ? Le terrain de notre enquête allait s'élargissant, et nous devions tenir compte des moindres informations. L'absence de Sir Reuben Lévi se fait sentir en bourse. Il s'est produit, juste avant sa disparition, une curieuse petite hausse sur les valeurs péruviennes. Elle a été suivie d'une baisse le matin même de sa disparition. D'après les informations que j'ai recueillies, Lévi ne les connaissait pas, même de nom. Mais j'ai fini par identifier le spéculateur responsable. Par un curieux hasard, c'était Sir Julien Freck. Ah, je ne l'aurais pas cru homme à spéculer de cette façon. Dites-moi, avez-vous obtenu un résultat quelconque auprès des colocataires de Mr. Tips ? Aucun. Et vous n'avez rien découvert dans la maison de Lévi ? Rien. Sauf le journal intime de Sir Robin. Le voici. Il ne nous apprend pas grand-chose. Il est plein de notes dans le genre « Tom et Annie à dîner »,« Anniversaire de ma chère femme », enfin... J'ai pensé que nous saurions ainsi le nom de quelques habitués de la maison. Il le rédigeait évidemment la nuit. Lundi, il n'a pris aucune note. C'était un document assez pathétique. Le terrible lutteur de la bourse, dont le souffle dévastait les districts entiers réduits à la famine, où ébranlait le trône des potentats de la finance, se révélait, dans son existence privée, un homme affectueux, aux mœurs familiales, naïvement fier de soi et de ses biens, confiant, généreux et un peu terne. Il notait scrupuleusement les petites économies réalisées, à côté de cadeaux extravagants à sa femme et à sa fille. Les menus incidents de la vie quotidienne figuraient aussi dans ce journal, comme par exemple un ouvrier est venu réparer le toit de la serre. Vers le mois de mai, il était parlé des nerfs de Lady Lévi et de nouvelles allusions à ce même sujet reparaissaient au cours des mois suivants. En septembre, on relève ceci. Freck est venu voir ma chère femme et a conseillé le repos complet et un changement de milieu. Elle pense aller à l'étranger avec Rachel. Le nom du fameux neurologue figurait environ une fois par mois à déjeuner ou à dîner. Et Lord Peters avisa qu'il serait intéressant d'avoir l'opinion de Freck sur Lévi. Les gens se confient parfois aux médecins. Et si par extraordinaire, Lévi songeait au suicide ? Tiens, parbleu, si Lévi se rendait tout simplement chez Freck lundi soir, voilà sa présence à Battersea expliquée tout naturellement. Un matin, sa seigneurie m'appela et me fit l'honneur de réfléchir en ma présence pour faire le point de la situation. Bunter,
Walter. Yes, my lord. Alors que dans l'affaire Lévy, il est facile de trouver un mobile au crime. La difficulté ne consistant qu'à établir comment il a été perpétré. Dans l'autre cas, le principal obstacle auquel se heurte l'enquête, c'est l'absence de tout motif imaginable. Autant essayer de se représenter la quatrième dimension. Yes, my lord. Walter. Oui. Je vous prie de me dissuader dorénavant de courir deux lièvres à la fois. Ces affaires me portent sur le système. L'un des lièvres n'a pas de point de départ et l'autre de point d'arrivée. Quand ce sera fini, Bunter, je me rangerai. J'abjurerai ma passion policière et je lirai des romans champêtres. Bien, my lord. C'est Sir Charles Parker qui nous fit le compte-rendu de l'interrogatoire public auquel fut soumis, selon la loi, le petit Mr. Tips. Après les préliminaires d'usage, le coroner procéda à l'appel des 14 personnes qualifiées et honorables auxquelles il fit prestement jurer qu'elles approfondiraient les véridiques détails de la mort du monsieur Lorgnon et qu'elles rendraient un verdict équitable en s'inspirant des témoignages avec l'aide de Dieu. Bref, la première partie du défilé des témoins ne fut guère d'intérêt. L'infortuné Mr. Tips, qui avait pris froid en prison, pataugea. Alors, Mr. Tips, il faut que nous sachions exactement l'emploi de votre temps dans la soirée de lundi. Vous avez voulu apporter votre témoignage, ce dont vous auriez pu vous abstenir, mais l'ayant fait, vous devez, dans votre intérêt, vous montrer explicite. J'aurais pu m'abstenir. Ah, mais... Avez-vous prévenu le témoin, inspecteur? J'ai averti Mr. Tips que tout ce qu'il dirait pourrait se retourner contre lui au moment du jugement. Vous ne lui avez pas expliqué qu'il peut, qu'il doit avoir un défenseur, non? Vraiment, inspecteur? Vous ne saviez pas, Mr. Tips, que vous aviez le droit de demander un avocat d'office? Il est incroyable que les gens soi-disant éduqués ignorent à ce point la procédure légale de leur pays. Je voudrais tout vous dire, bien que ce soit vraiment pénible pour un homme dans ma situation. Eh bien, nous vous écoutons. Eh bien, voilà... Il avait d'abord dit qu'il avait regagné son logis à 10h30. Mais Gladys Horrocks, la femme de chambre, avait laissé échapper qu'il n'était rentré au bercail qu'après 11h45. Là-dessus, Tips s'enferme encore plus et bref, il ne peut rien expliquer du tout. Nouvel interrogatoire de Gladys Horrocks. Cette fois, elle déclare que Tips est rentré à 10h30. Puis, elle avoue qu'elle ne l'a pas entendu rentrer. Elle ne peut dire pourquoi, et elle avait affirmé d'abord qu'elle l'avait entendu. Enfin, elle fond en larmes. Quant à la vieille Madame Tips, son interrogatoire fut plus divertissant qu'instructif. Sa surdité mit rapidement le coroner en état d'infériorité. On revint au petit Tips. Je préfère avouer la vérité. Dussé-je me montrer sous un jour... Enfin, je vais tout vous avouer. Il s'est enfin expliqué sur son emploi du temps. Il avait fait avec un vieil ami une petite fugue de jeune homme dans un mauvais lieu. Et bien sûr, il n'avait pas voulu s'en vanter. Gladys, la femme de chambre, s'est expliquée à son tour. Elle s'était embrouillée dans son témoignage pour n'avoir pas osé dire que, profitant de l'absence de son maître, elle se trouvait dans la nuit de lundi à mardi en bonne compagnie de son côté. Son bon ami vint apporter son témoignage. Puis, l'inspecteur Sugg fut appelé à la barre. En résumé, mes constatations sont les suivantes. Aucune trace d'effraction dans l'appartement. De vagues traces sur le bord de la fenêtre de la salle de bain, indiquant que quelqu'un est passé par là. Aucune trace sur le toit, aucune empreinte non plus dans la cour. Selon moi, le corps de la victime a été précédemment introduit dans l'appartement et dissimulé par quelqu'un qui s'est évadé pendant la nuit avec la complicité de la bonne, par la fenêtre de la salle de bain. Mais alors pourquoi la bonne n'a-t-elle pas fait sortir cette personne par la porte? Oui, après tout, c'était possible. Avez-vous découvert quelque indice établissant qu'un cadavre ou un homme vivant avait été caché dans l'appartement même? Non, mais aucune preuve du contraire non plus. À la suite de quel témoignage avez-vous conclu que le meurtre remontait à cette nuit-là? Cette présomption n'a pas été retenue. Le criminel a-t-il laissé des empreintes digitales? Quelques-unes ont été relevées sur la baignoire, mais l'assassin portait des gants. Qu'est-ce que ce détail vous fait présumer de l'expérience du criminel? Ce devait être un professionnel.
Et comment cette opinion s'accorde-t-elle avec votre arrestation d'Alfred Tipps, inspecteur? Après les dépositions que vous venez d'entendre, maintenez-vous votre accusation contre Alfred Tipps et Gladys O'Rourke? Merci, inspecteur, cela suffit. Nous allons passer au rapport des médecins. L'entrée de Sir Julien Frank fit sensation. L'illustre psychiatre est un personnage remarquable, avec ses larges épaules, son port très droit et sa tête de lion. Vous êtes Sir Julien Frank et vous habitez la maison Saint-Luc, rue Prince of Wales, à Battersea, où vous dirigez le service chirurgical de l'hôpital Saint-Luc. Oui. Vous fûtes le premier médecin appelé auprès du défunt. En effet. Et depuis, vous vous êtes livré à un examen en collaboration avec le docteur Grimbold de Scotland Yard. Oui. Vous êtes tous deux d'accord sur les causes de la mort? En principe, oui. Voulez-vous communiquer vos impressions au jury? Lundi matin, vers 9h, j'étais occupé à un travail de recherche dans la salle d'anatomie de l'hôpital quand on m'informa que l'inspecteur Sugg désirait me voir. Il m'apprit que le cadavre d'un homme avait été découvert dans des circonstances mystérieuses dans l'immeuble contigu à l'hôpital. Il me demanda s'il y avait des chances pour que ce soit une farce de carabin. Après examen des registres, je fus en mesure de lui affirmer qu'aucun sujet n'avait disparu de la salle de dissection. L'inspecteur Sugg m'ayant prié ensuite d'envoyer un médecin pour examiner la victime, je répondis que j'irai en personne. Pourquoi ? Je confesse que j'ai ma part de curiosité commune à tous les mortels, monsieur le coroner. Arrivé à l'appartement, je trouvai en effet un homme dans la baignoire, étendu sur le dos. Un rapide examen m'amena à conclure qu'il avait été tué d'un coup à la nuque, lequel avait disloqué les quatrième et cinquième vertèbres cervicales et fait éclater la moelle épinière, entraînant une hémorragie interne et une paralysie partielle du cerveau. J'estimais qu'il avait cessé de vivre depuis au moins 12 heures. Peut-être davantage. Le corps ne portait pas d'autres traces de violence. Le défunt était un homme vigoureux, de 50 à 55 ans. Selon vous, a-t-il pu s'infliger sa blessure lui-même? Certes non. Le coup a été asséné par derrière, au moyen d'un instrument lourd et grossier, et très judicieusement. Il est impossible que ce soit une blessure volontaire. Pourrait-elle être le résultat d'un accident? C'est évidemment possible. Selon vous, la mort a-t-elle été instantanée? Il est difficile de se prononcer. Un pareil coup peut très bien causer la mort immédiate. Dans le cas présent, j'incline à croire qu'il a survécu fort peu de temps. Je base mon opinion sur l'état du cerveau tel que nous l'a révélé l'autopsie. Toutefois, je dois dire que le docteur Grimbold et moi, nous ne sommes pas d'accord sur ce point. J'apprends qu'une hypothèse a été émise au sujet de l'identification de cet inconnu. Et vous n'êtes pas en mesure de l'identifier, vous? Certes non, je ne l'avais jamais vu. La conjecture à laquelle vous faites allusion est absurde. Elle n'aurait jamais dû être formulée. Je n'en ai eu vent que ce matin. Si j'en avais été avisé plus tôt, j'aurais su comment la réfuter. Et je tiens à exprimer bien haut combien je désapprouve qu'une souffrance inutile ait été infligée à une dame que j'ai l'honneur de connaître. Je vous accorde, Sir Julien, qu'il est très regrettable que vous n'ayez pas été averti. À propos du binocle trouvé sur la victime, y a-t-il là une indication pour un homme de l'art? Ce sont des verres assez peu courants. Je me bornerai à constater que je me serais attendu à ce qu'ils appartinssent à un homme beaucoup plus âgé. Avez-vous pu, d'après l'aspect du défunt, inférer quoi que ce soit de ses habitudes personnelles? Il m'a fait l'effet d'un homme dans l'aisance, mais dont la fortune serait récente. Ses dents sont en mauvais état. Ses mains portent encore les traces d'un travail manuel. Un colon australien enrichi, par exemple? Quelque chose d'approchant. Bien entendu, je ne saurais me prononcer de façon catégorique. Bien entendu. Merci, Sir Julien. Le docteur Grimbold, appelé, confirma la déposition de son éminent collègue sur tous les points, sous réserve que la victime avait dû succomber à sa blessure au bout de quelques jours. Ce n'est pas sans une extrême hésitation qu'il hasardait une opinion différente de celle de Sir Julien. Du reste, il pouvait se tromper. Selon lui, la victime, lorsqu'il avait été appelé à l'examiner, devait avoir cessé de vivre depuis au moins 24 heures. Pendant la délibération du jury, je fus présenté à Sir Julien. Je suis bien content de vous rencontrer. Avez-vous vu Lady Levy? Oui, ce matin. Vous a-t-elle demandé de poursuivre vos recherches? Oui.
Elle se figure que des financiers rivaux de Sir Robin l'ont peut-être séquestré ou que des bandits l'ont enlevé pour obtenir une rançon. Êtes-vous de cet avis? Je n'en suis pas éloigné. J'aimerais bien que vous m'accompagniez un bout de chemin quand tout ceci sera terminé. J'en serais charmé. Les jurés avaient repris leur place. S'adressant à leur président, le coroner demanda s'ils s'étaient mis d'accord. Nous avons décidé, monsieur le coroner, que l'inconnu est mort des suites d'un coup sur la colonne vertébrale. Quant aux conditions dans lesquelles il a été blessé, nous estimons ne pas avoir de preuves suffisantes pour les définir. Ainsi, cette enquête publique ne nous a apporté aucun éclaircissement. Du moins a-t-elle permis la libération de l'infortuné Tips et de sa femme de chambre. Je rejoignis Sir Julien dans la rue. Jusqu'au moment où j'ai vu Lady Levis ce matin, je n'imaginais pas que l'on pût établir un rapport entre cette affaire et la disparition de Sir Ruben. Il est vrai qu'il existait une certaine ressemblance entre la victime et Sir Ruben. Une ressemblance très superficielle. Je conçois que cette idée ait pu venir à quelqu'un, mais elle aurait dû être aussitôt écartée. Je suis au regret, car Lady Levis souffre beaucoup de ses racontars. Vous savez peut-être, inspecteur, que sans pouvoir me dire en intime, je suis un vieil ami des Levis. Il me semble, en effet. Croyez-moi, Sir Julien, je comprends votre émotion et celle de Lady Levis, et je me suis efforcé de ramener l'inspecteur Sugg à des notions plus raisonnables. Mais une fâcheuse coïncidence a voulu que Sir Robin ait été vu ce même soir dans la rue de Battersea Park. Ah oui? Eh bien, je vais brouiller, je le crains, une des pistes que vous comptiez suivre. Et en ce qui me concerne, trahir le secret professionnel. Mais puisqu'une partie de ce que je vais vous dire vous est déjà connue par l'effet du hasard, mieux vaut vous informer du reste. C'est moi que Sir Robin est venu voir dans la soirée de lundi. Oui. Son état de santé lui inspirait de vives inquiétudes. Il s'est adressé à moi plutôt qu'à son médecin habituel parce qu'il voulait à tout prix tenir sa femme dans l'ignorance. Et je vous le répète, il me connaissait assez bien. Avait-il pris rendez-vous? Un rendez-vous? Oui. Oh non, il est arrivé à l'improviste dans la soirée après dîner. Je l'ai examiné, puis il m'a quitté à peu près vers 10 heures, je crois. Sir Levy vous a quitté à 10 heures? Oui, à peu près. Ouais. Au début, je n'ai rien dit, sachant combien il tenait à garder sa démarche secrète, d'autant qu'il n'était pas question d'accident de la rue ou quoi que ce soit de ce genre, puisqu'il est rentré sain et sauf chez lui à minuit. En effet. C'est d'ailleurs trahir sa confiance. Et je vous en parle uniquement parce que Sir Ruben, ayant été rencontré dans mes parages, je préfère vous renseigner en particulier plutôt que de vous voir interroger mes domestiques. Vous excuserez ma franchise. Certes, je vous suis très obligé de me faciliter ma tâche, Sir Julien. J'aurais perdu un temps précieux à poursuivre une fausse piste. Le soir où Sir Charles Parker de Scotland Yard nous fit confidence de cette conversation, après son compte rendu de l'enquête publique, sa seigneurie me dit... Allez-vous coucher, Bunter. Je prolongerai un peu ma veille. Je vais passer une robe de chambre. Quelque chose, je le voyais tournoyer dans son esprit et le tracassait. Je restais à distance, n'aimant pas le voir dans cet état nerveux. Quelque part, j'ai la clé de ces deux problèmes. Ah, ça, je sais que je l'ai. Je ne puis pas me rappeler ce que c'est. Il s'assit devant le feu et prit un livre qu'en dépit de mes corvées quotidiennes et de l'agitation que comportaient mes missions spéciales, j'avais rapporté du Times Book Club. C'était justement l'ouvrage de Sir Julian Freck, « Les bases physiologiques de la conscience ». Il ouvrit le volume d'un air distrait, puis bientôt parut très absorbé. « Un traitement approprié vous guérit de scrupules périmés comme on guérit une maladie. La notion du bien et du mal, phénomène connu, est en fonction de l'état des cellules cérébrales, lequel est susceptible d'être modifié. Nous sommes en droit de préjuger que cet intéressant phénomène mental de la conscience cessera graduellement de se manifester. Fichtre. Ouais, une doctrine idéale pour un criminel. Servante dans l'appartement d'en haut qui croit avoir entendu une chute sur le toit. C'est moi que Sir Ruben Levy est venu voir dans la soirée. Impossible. C'est moi que Sir Ruben Levy est venu voir. Les épaules et sa tête de ce lion.
Sa tête de lion. Sa tête de lion. Impossible. Il a été bien aimable, Sœur Julien. Bien aimable, Sœur Julien. Bien aimable. C'est impossible. Le monsieur qui se calamistre à la Violette de Parme fait usage d'un savon fortement félicité. Impossible. Certaines avaient pour elle un sentiment profond. Un sentiment profond. Sur les actions péruviennes. Le spéculateur, c'était... Le spéculateur, c'était... La mort ne s'est produite que plusieurs jours après la blessure. Impossible. Je veux dire que le docteur Grimbold et moi, nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Il avait des gants de caoutchouc. Ça devait être un professionnel. Il avait des gants... C'était venu nous voir avec un pamphlet contre la vivisection. Impossible. Que c'était les asiles d'indigents qui fournissaient les sujets. C'est moi que Sœur Robin Lévy est venu voir. Bien aimable, Sœur Julien, bien aimable. Impossible. Un sentiment profond. Vous ne s'est jamais marié depuis, vous savez. Cette nuit-là, Lord Peter eut une mauvaise fièvre. Mais ses présomptions, pour effrayantes qu'elles fussent, se trouvèrent confirmées les jours suivants. Le valet de chambre de Sœur Julien nous fournit des indications sur le comportement de son maître dans la nuit de lundi. Un étudiant de l'hôpital Saint-Luc nous apporta la preuve que le corps de Sœur Ruben avait servi de sujet à la salle de dissection. Enfin, le principal fournisseur de l'hôpital en pièces anatomiques, le directeur de l'asile d'indigents de Chelsea, reconnut qu'une substitution de cadavre avait pu être opérée sans qu'il soit possible de s'en apercevoir, et il procéda à l'exhumation du faux indigent que Lady Lévy reconnut comme étant Sœur Ruben. Alors, Sir Charles Parker de Scotland Yard mit la machine policière en route. L'inspecteur Stegg, my lord. Laissez-le entrer, Hunter. Ah, nous avons coffré notre homme. Vivant ? Nous avons sonné et, bousculant le valet de chambre, gagné la bibliothèque. Il était en train de dicter devant un appareil enregistreur. Il n'a pas eu le temps de faire un geste. Vous me voyez confondu de surprise, inspecteur. Le criminel était en train de dicter toute une confession et il m'a demandé expressément de vous remettre l'enregistrement. La police aura naturellement besoin de ce document, mais comme il a été composé à votre intention, je n'ai pas pu faire autrement que de vous l'apporter à vous d'abord. Le voici, ainsi que l'appareil. Voulez-vous que nous l'écoutions, Parker ? Et vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que Bunter l'écoute aussi. Je dois dire que je suis fort impatient de vérifier les différents points de notre enquête. Allons-y. Cher Lord Peter, je n'hésite pas à reconnaître à présent que vous avez gagné la partie. Mes études sur la démence criminelle m'ont conduit à penser qu'un homme parfaitement sain, qui ne se laisserait intimider par aucune illusion mystique ou autre, peut toujours s'assurer l'immunité, à condition que son crime ait été suffisamment prémédité, qu'il ne soit pas pressé par le temps, ni troublé dans ses calculs par une coïncidence due au pur hasard. Vous savez de quelle manière il m'a été donné en pratique de faire la preuve de ce que j'avance. Il m'était impossible de prévoir les deux incidents qui m'ont trahi. Inspecteur, à votre avis, quels sont ces deux incidents ? Deux incidents, my lord, deux incidents, Ben allons, inspecteur, allons. J'ai l'impression, my lord, que Mr. Stegg donne sa langue au chat. Le premier fut la rencontre fortuite de Lévy par la femme qui le reconnut dans la rue à Battersea Park, ce qui permit d'établir une corrélation entre les deux problèmes. Et le second fut que Tips, ayant téléphoné à Denver le mardi matin, votre mère vous informa de l'affaire avant que la police n'ait enlevé le cadavre et vous suggéra un soupçon par ce qu'elle connaissait de mon passé. Une jalousie vieille de 20 ans ne constituait certes pas un mobile suffisamment sérieux pour supprimer Sœur Ruben. Mais à la passion animale du meurtre et de la vengeance s'ajoutait le souhait rationnel de mettre en pratique mes théories. Veuillez noter qu'un crime gratuit sans motif n'aurait pas été concluant. Au début de ma carrière, j'avais remarqué que chaque fois qu'il y avait meurtre, le point crucial du problème consistait dans l'embarras de se défaire du cadavre. La seule difficulté était donc de détruire tout indice établissant un rapport entre soi et le cadavre.
Je compris clairement qu'un cadavre superflu ne pouvait compromettre personne, pour peu que personne ne soit rendu responsable de ce cadavre déterminé. Ainsi me vint l'idée d'une substitution d'individus. Mais ce n'est que lorsque j'assumais la direction pratique de l'hôpital Saint-Luc que je me trouvais entièrement libre du choix et du maniement des corps inanimés. Depuis lors, je ne cessais d'observer avec vigilance les sujets qu'on m'apportait aux fins de dissection. Permettez-moi, messieurs, de poursuivre. L'occasion favorable s'offrit enfin. Le médecin de l'asile d'indigents de Chelsea informa Sir Julien qu'un vagabond inconnu avait été blessé le matin par la chute d'un échafaudage et qu'il présentait de curieuses réactions cérébrales nerveuses. Aussitôt, il s'intéressa au cas et fut frappé par la ressemblance qui existait entre cet homme et Sir Robin. Voyons si le récit s'enchaîne. C'était une semaine avant l'événement qui nous intéresse. Le jeudi et le vendredi, j'acquis par l'intermédiaire de divers agents de change un stock de certaines actions pétrolifères péruviennes tombées à zéro, et je réussis ainsi à susciter sur le marché quelque effervescence. Le samedi et le dimanche, rendant visite à mon inconnu de l'asile, j'éprouvais quelques craintes qu'il ne s'avisa de mourir avant que je ne fusse prêt, mais grâce à des injections salines, je parvins à le garder vivant. Le lundi matin, la bourse s'ouvrit sur une vive reprise des valeurs péruviennes. Et le bruit courut que quelqu'un avait un bon tuyau. À l'heure du déjeuner, je m'arrangeai pour rencontrer Lévy comme par hasard. Il accepta de déjeuner avec moi et, le bon vin aidant, nous bavardâmes fort amicalement. Au gré de la conversation, une allusion à mes valeurs péruviennes l'intéressa au point qu'il me demanda une preuve sur le champ du renflouement de cette affaire. « Je vous la donnerai, dis-je, mais pas ici. Venez ce soir chez moi et je vous communiquerai le rapport. » Mais pas un mot à âme qui vive. J'ai moi-même acheté aujourd'hui 200 actions. Qu'on nous sache ensemble et l'on flairera quelque chose. Voilà donc les informations qui nous manquaient. Voyons la suite. On se sépara et je me rendis à l'hospice. Le vagabond était mort vers 11 heures. Après les formalités usuelles, je m'arrangeai pour qu'il fût livré à l'hôpital vers 7 heures. C'est dans l'après-midi qu'à l'occasion d'une course en taxi, je découvris un lorgnon d'or sur la banquette. De 6 à 7 heures, je passais mon temps à fabriquer une sorte de rapport fictif à l'intention de Sir Ruben. À 7 heures, je m'en fus à l'hôpital. Le fourgon était justement en train d'amener mon sujet. Je le fis immédiatement transporter à l'amphithéâtre et je dis au surveillant que je comptais travailler la nuit et que je m'occuperais moi-même de tous les préparatifs. Ce n'était pas la première fois. Lévy sonna à 9 heures. Un instant, nous arrivons au récit du crime, Barker. Voici ma version des faits. Lévy sonna à 9h20. Sir Julien ouvrit lui-même. Il le conduisit à la bibliothèque, au premier. Il lui donna un fauteuil qui tournait le dos au feu et retira de son coffre-fort le rapport qu'il avait fabriqué. Sug, vérifiez donc si ma version correspond aux faits. Bien, Mylord. Lévy sonna à 9h20. Je lui ouvris moi-même. Je le conduisis à la bibliothèque, au premier. Je lui donnai un fauteuil qui tournait le dos au feu et retirai de mon coffre-fort le rapport que j'avais fabriqué. Il le prit et le lut en mettant le nez dessus à cause de sa myopie, pendant que je tisonnais le feu. Dès que je vis sa tête dans une position favorable, je lui assénai un coup violent avec le tisonnier juste au-dessous de la quatrième vertèbre cervicale. Mon expérience professionnelle me fut d'un grand secours. Il poussa un soupir et s'abattit sur la table. Je l'examinai. Il avait la nuque rompue et il ne respirait plus. Je le portai dans ma chambre et le dévêtis. Ayant fini à 10h10, je le cachai sous mon lit et je rangeai les papiers épars dans la bibliothèque. Puis je descendis et je sortis par la porte du vestibule en criant bonsoir assez haut pour être entendu par les domestiques. Je descendis vivement la rue, entrer par la porte latérale de l'hôpital et regagner mon domicile en traversant la galerie privée. Je sonnai et donnai l'ordre au valet de chambre de tout barricader sauf la porte privée qui conduisait à l'hôpital. J'attendis qu'il eût terminé, puis vers 10h30, le bruit de leurs pas m'avertit que mes jambes ont été couchées, comme à l'habitude.
Je gagnai la salle d'autopsie, je poussai une des tables roulantes à travers la galerie, puis je m'en fus chercher Lévy. Je le couchai sur la table, le roulai jusqu'à l'hôpital et le substituai à mon intéressant indigent. Comme il était encore tôt, je prépare... Voyons, Sug. Enfin, vous ne dites rien. Je suis sûr que vous savez ce que Sir Julien a fait ensuite. Moi? Oh, non, my lord, je ne me permettrai pas. Bon, eh bien, continuons. Encore tôt, je préparais Lévy pour la dissection, puis je ramenais mon indigent chez moi sur le même chariot. Je le portai jusqu'à ma chambre et l'étendis dans mon lit, en ramenant les draps sur la tête afin qu'on crût me voir endormi si par hasard quelqu'un jetait un coup d'œil chez moi. Puis je me déshabillai pour revêtir les habits de Lévy, sans rien oublier. Vous savez ensuite comment je m'introduisis chez lui pour faire croire qu'il était rentré se coucher vers minuit. Je ne fis là qu'une erreur vénielle. Moteur, quelle est cette erreur vénielle? Sir Julien aurait dû plier les vêtements de Sir Lévy, ce qu'un homme soigneux devrait toujours faire. N'aime pas cette remarque, Moteur, qui semble s'adresser à moi. Enfin, passons. Parker, la suite de l'histoire. S'étant habillé de ses propres vêtements apportés dans une petite valise, n'ayant laissé aucune trace grâce à ses gants de caoutchouc, Sir Julien s'échappa discrètement de chez Sir Lévy et rentra chez lui. Et je rentrai chez moi. Mon premier soin fut de rendre mon indigent méconnaissable, d'effacer tout ce qui pouvait évoquer soit Lévy, soit le vagabond de l'hospice. Un bon coup de rasoir, un peu d'huile sur les cheveux et quelques soins de manucure, s'en fut assez pour la transformation. Puis je le ficelai au moyen d'un drap solide et de deux larges bandes de pansement. J'avais déjà décidé que la seule manière de l'emporter, c'était par le toit, ce que je fis précautionneusement. Ce fut un exercice d'alpinisme facile. Je traînais mon bonhomme le long des toits plats, comptant l'abandonner n'importe où, quand je pensais tout à coup, tiens, je suis dans les parages du petit Tips. Et je me rappelais sa sotte figure et les stupidités qu'il disait sur la vivisection. L'idée bouffonne me vint de déposer mon colis chez lui et de voir ce qu'il en ferait. Voilà, inspecteur Sugg, les risques que peut courir un homme qui n'a que des vertus. Pauvre petit Tips. Le hasard me servit. La fenêtre de sa salle de bain était ouverte. Vous savez le reste. Sinon qu'en fouillant dans ma poche, ma main tomba sur le lorgnon d'or que j'avais trouvé en taxi l'après-midi et que je vis aussitôt qu'il contribuerait à égarer les soupçons. De retour chez moi, il me fallut encore, pour parer à toute éventualité, passer à l'hôpital où je disséquai la tête de Lévy de façon à la rendre méconnaissable. Puis je fis le petit ménage qui s'imposait. Enfin, à 5 heures, je m'endormis profondément et mon valet de chambre vint à 7 heures me réveiller, comme d'habitude. Espérant avoir élucidé tous les points qui pourraient vous sembler obscurs et en vous félicitant de la bonne fortune et de la perspicacité qui vous ont permis d'avoir raison de moi, je demeure, avec mes hommages les plus respectueux pour votre mère, bien sincèrement à vous. Mais l'enregistrement n'est pas terminé, my lord. En effet. Mais dites-moi, inspecteur, ne pouvez-vous pas deviner la suite? Non. En réfléchissant, peut-être... C'est pour l'inspecteur Sec, Milo. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui? Oui? Ah. Oh. Bien, bien, merci. Vous allez m'apprendre, inspecteur, que Sir Julien Freck est mort subitement. Comment le savez-vous? Par cœur. Comment le savons-nous? Eh bien, nous avons plusieurs indices. Butter. Oui, my lord. Apportez-nous de quoi boire et revenez avec nous. L'inspecteur Sugg nous soumet un nouveau problème à résoudre. Voilà une bonne aubaine, my lord. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Un roman policier signé Bill Ballinger est pour ainsi dire fatalement un roman noir. Mais il y a plusieurs façons d'interpréter le mot noir. La plus facile est d'imaginer des batailles de gangsters ponctuées de salves de mitraillettes
avec de-ci de-là pour remonter le moral du lecteur une jolie scène de torture. Or, le dernier roman de Bill Ballinger, publié aux presses de la Cité et intitulé « La femme du rouquin » est qualifié de noir, mais il ne l'est pas du tout dans ce sens-là. Il l'est d'une manière plus grave et plus profonde. Il est placé sous le signe de la fatalité, une fatalité qui obligera un garçon honnête et droit à devenir, après une condamnation injuste et du fait même de cette condamnation, un assassin, qui l'empêchera d'être heureux avec la seule femme qu'il eût jamais aimée et qui elle-même n'a cessé de l'aimer, et qui fera d'eux des fugitifs harcelés par un détective animé d'une sorte de génie de la détection. Il est difficile, sans le trahir, de décrire dans ses développements un roman aussi dramatiquement remarquable. Disons simplement qu'il débute ainsi. Un jeune Américain, Hugh Rohan, s'est évadé d'un pénitencier canadien où il était détenu du fait d'une accusation erronée et sans pouvoir prouver son innocence. Son seul désir est de retrouver sa jeune femme, Mercedes. Il la retrouve effectivement, mais elle ne s'appelle plus Rohan, elle s'appelle Turner. Après avoir attendu vainement et sans nouvelles d'aucune sorte pendant 7 ans le retour de son jeune mari, elle a obtenu une séparation et s'est remariée sans joie avec cet Albert Turner dont on sait peu de choses, sinon que c'est une de ces canailles assez adroites pour se faire protéger par les lois. Un instant, un seul, Rohan et Turner sont en présence, mais c'est un instant décisif. Turner menace de son revolver Rohan qu'il croit désarmé, mais Rohan qui est armé tire et tue Turner. S'il se livre à la police, même en évoquant la légitime défense, il sera repris et ramené à son pénitencier. Il ne reste pour lui et pour Mercedes qu'il aime toujours qu'à fuir ensemble. Cette fuite, les péripéties qu'elle engendre, tiennent en haleine jusqu'à un dénouement si déchirant qu'on ne pense plus qu'à la fatalité antique acharnée à perdre deux êtres dignes de bonheur. C'est un livre dont on se souvient et dont la dernière ligne réserve, elle aussi, une surprise au lecteur. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Nous avons cette semaine un film peu banal à mettre au tableau de service des maîtres du mystère. Il s'agit d'un drame à suspense d'origine américaine, « The Killing », dont on a assez platement traduit le titre en « L'ultime razzia ». Les auteurs nous montrent avec un grand luxe de détails comment on doit s'y prendre pour dévaliser le PMU sur un champ de course de Californie. Le procédé employé par le scénariste pour raconter son histoire est extrêmement ingénieux, sinon inédit, et la façon dont nous faisons connaissance avec les personnages et dont nous entrons dans l'action ne ressemble en rien à la manière traditionnelle. C'est uniquement par la construction du récit, donc affaire de scénario et non de mise en scène, que l'ultime razzia nous intéresse. Nous assistons à la manière dont le chef de gang et ses lieutenants montent leur coup. Ajoutons que l'auteur démonte devant nous tout le mécanisme de l'opération. C'est comme s'il avait étalé sur une table toutes les pièces d'une machine et qu'il nous les présente une à une en nous expliquant comment chacune s'emboîte dans l'engrenage et que pour finir, le rassemblement de toutes ces pièces détachées étant fait, il nous offre sur un plateau la machine complète, en prenant d'ailleurs le soin de la montrer sous toutes ses faces. En effet, le déroulement de l'opération elle-même est présenté sans ordre chronologique. Nous revenons en arrière, repartons, rebroussons chemin, sans remonter jusqu'au lointain Thomas Garner. C'est un peu le procédé qu'avait employé René Clément pour le Château de Verre, dans la version originale qu'il eut hélas le grand tort de modifier par la suite. Dans ce film, la fin était placée aux 2/3 du récit et l'on remontait ensuite dans le temps. Le réalisateur de l'ultime razzia, Stanley Kubrick, est, paraît-il, un metteur en scène de la télévision américaine. Après Marty, 12 hommes en colère et d'autres, voilà une preuve nouvelle que le cinéma peut s'enrichir par un apport de la télévision. Il reste à celle-ci à comprendre que la réciproque est également vraie. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier,
Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir leur Peter et l'inconnu de Dorothée Sayers dans une adaptation radiophonique de François Billet-Doux. Avec, par ordre d'entrée en onde, Henri Guizol, Jacques Castellot, Madeleine Lambert, Hieronymus, Jean-Jacques Stein, Jean-Pierre Lituac, Jean Bollo, Jean-Marie Amato, André Vasselet et Anne-Marie Duvernay. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage. Prise de son Noël Barbet. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.